picotes. Tu finasses. T'es là comme une grosse araignée à préparer ton coup. Je te connais trop pour pas te deviner, va. Ah non, tu vas m'écouter, c'est trop facile de se défiler. Il va, ma pauvre Marcel. Mais avoue-le, du jour où t'as compris qu'il s'attachait, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant. T'en parles comme si t'étais sa mère. Il est comment, Polo? Il est menuisier. Il est gentil. Ça dépend. Quand il a sa cuite, il est pas baisant, hein. Je me disais aussi, la bonne âme, c'est par charité qu'elle vient au secours du poivreau. Là. Remarque, c'est pas ça qui fait peur à Marcel. Elle est dure à cuire. Et moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est vrai que c'est une mégère. Une mémère? Non, une mégère. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Mais si tu veux, je chercherai, j'ai un dico. Tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes? Je pleure pas, je mouche. T'as parlé de moi, Marcel? Je sais plus. T'as pas dit que j'étais un vilain bonhomme? Je t'en pense, toi. Tu crois que je suis un vilain bonhomme? Le paradis, c'est quand même bien pour ceux qui sont morts. À choisir, je préfère l'enfer sur la terre. Et même en dessous, tiens. Et puis crois-moi, les plus belles bougresses, c'est chez le vieux bouc que tu les trouves. Les gourmands. Ils te mangent la santé. Mais au moins, tu t'emmerdes pas. Mais après, pour Pelot, nature. Elle voulait plus. Elle voulait plus quoi? Oui, oui. C'est ça, pleure. Pleure un bon coup, hein? C'est pas simple, les histoires des grandes personnes. C'est pas simple. Tu fais comme moi. Et surtout, tu regardes pas en bas, sinon je slappe.